Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être très exceptionnelle puisque regardez un petit peu le cadre dans lequel je me trouve. En plus il fait un temps magnifique, le ciel est bleu, le soleil est là, il fait une chaleur juste ce qu'il faut, ni trop chaud ni trop frais, on a cette petite brise avec ce doux parfum de forêt, c'est juste un pur bonheur. Et je remercie chaleureusement Abby pour m'avoir fait découvrir ce lieu qui, écoutez bien, est juste à côté de chez moi. Si si, je vous assure. Ça fait 3 ans que je vis dans cette maison et je ne connaissais pas cette forêt qui est vraiment à quoi, à 3-4 km de chez moi. C'est quand même dramatique. Et quelle découverte j'ai pu faire, vous allez le voir puisque cette vidéo va être en deux parties. Je vais vous faire la review d'un jeu, un jeu que j'étais obligé de vous faire dans ce cadre là puisque vous allez le voir, il s'agit de l'oracle de la magie forestière, le dernier né de Arcana Sacra et de Antoinette Charbonnel, que vous connaissez tous et toutes. Si si, je vous assure. Si je vous dis par exemple l'oracle lumière, est-ce que ça vous parle? Si je vous dis l'oracle du petit enchanteur, est-ce que ça vous parle aussi? Hein, voilà. Donc, vous allez le découvrir que cette vidéo va être en deux parties. Avec la partie review, on se fera aussi un petit tirage. Et puis, je vais vous faire visiter cet endroit qui est juste magique, qui est féerique. Vous allez le découvrir, il y a une énergie dans cette forêt, les arbres sont étranges, il y a une ambiance qui est très mystique, qui vraiment c'est juste du pur bonheur d'être là, et je peux vous dire que ça fait énormément de bien d'être ici. Allez, donc avant de passer à la visite de cet endroit incroyable, je vous présente donc, comme je vous l'ai dit, l'oracle de la magie forestière de Lyra. Alors excuse-moi Lyra, si j'écorche ton nom, je ne sais pas si on doit le dire C ou K. Donc je vais dire C, donc de Lyra Seoultoir et de Antoinette Charbonnel. Donc Lyra a créé l'oracle et Antoinette l'a illustré. Antoinette, vous la connaissez aussi avec son compte Instagram La Fée Lumière. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un petit peu les créations qu'elle fait, c'est juste incroyable. On va être donc sur un coffret qui est fantabuleux, hein, il n'y a pas d'autre mot. Je vous précise qu'il s'agit de Arcana Sacra, mais vous le saviez déjà puisque je vous ai déjà plus ou moins un petit peu présenté ce jeu lors de live. Et puis vous avez aussi d'autres amis youtubeurs qui sont en train de le présenter puisqu'il vient de sortir à l'instant, hein. Enfin il est sorti le 29 avril, donc c'est très récent. Et c'est un jeu encore une fois qui est magnifique, qui est magique. On est sur la qualité Arcana Sacra, donc je ne vous la présente plus, vous connaissez tous la qualité extraordinaire de ces jeux. Donc on va être sur un coffret avec une boîte aimantée. Regardez sur le côté, on va avoir les petits détails du chaudron, des petits champignons. On est vraiment sur une ambiance Greenwich. Vous savez, alors Greenwich, pas le méridien, hein, qu'on soit bien d'accord. Non, green comme la couleur verte et witch, la sorcière. Donc la sorcière verte, celle qui va vraiment partir en forêt pour ramasser ses champignons, ses simples, ses plantes, etc. Faire ses petits rituels tranquilles. Et honnêtement, la forêt dans laquelle je me trouve, je pense que vous allez la voir souvent, que ce soit dans les prochains sabbats, que ce soit sur Orlesia aussi, parce que le lieu est juste, il est juste magnifique. Vraiment, là, je suis tombé amoureux du site qui est vraiment extraordinaire. Donc, je vous montre un petit peu l'intérieur. Regardez, on a une magnifique illustration de ce champignon. Alors, ne croyez pas que cet oracle soit axé uniquement champignon. Non, parce qu'on va vraiment avoir, on va retrouver l'univers de la magie dite verte. Vraiment la magie des campagnes. Donc, avec les champignons, avec les simples, on va aussi retrouver des lunes très spécifiques qui sont associées en sorcellerie. Vous verrez, je vais vous faire découvrir tout ça. Regardez un petit peu le devant et le dos qui sont juste superbes. Et je vais vous lire justement, eh bien, ce qu'il y a derrière. Entrez dans la magie.
Esba lunaire et magie forestière, entrée dans le monde fascinant des sorcières de campagne. Née de l'alliance de la plume de Lyra Séoultoire, tambouilleuse, convulsive et sorcière pure souche, et du pinceau d'Antoinette Charbonnel, la fée lumière, cet écrin poétique regorge de nombreux savoirs méconnus du grand public. Plongez au cœur de la forêt, entre ombre et lumière, à la découverte de votre âme de sorcière. Cet oracle divinatoire, véritable herbier magique, n'attend que vous pour agrémenter votre pratique. Votre initiation commence ici. C'est donc un coffret qui a un petit prix. Vous connaissez très souvent les coffrets de Arcana, on est sur les mêmes types de prix, à savoir 32 €. Donc encore une fois, on est sur un tout petit prix pour la qualité proposée. C'est un oracle qui se compose de 35 cartes et d'un livre couleur de 188 pages. Et on va découvrir ça. On va commencer d'abord par le guidebook, qui n'est pas un guidebook, qui est un vrai livre, un livre que vous pourriez trouver en plus de l'oracle, je vous montre. Regardez un petit peu le livre, il fait très grimoire puisqu'on va être sur un effet un peu cuir, un vieux cuir. J'aime beaucoup. Je suis tombé amoureux, dites-vous, cet oracle. Ça fait déjà des mois que il était dans ma wishlist et je l'attendais rien qu'en ayant vu en fait l'illustration du coffret, j'étais déjà fan. Et là, de le tenir entre les mains, ça me confirme que je suis encore plus fan. L'intérieur de ce guidebook, donc comme d'habitude, on va être sur du papier glacé. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que pour une fois, j'ai pas ma ring light. Ça va être notre cher soleil qui va nous imprégner de sa lumière. L'intérieur du livre, donc on est sur du papier glacé, couleur évidemment, et j'adore la façon comme les cartes ont été présentées, comme les lames ont été présentées. C'est-à-dire que on va pas retrouver les cartes, mais on va retrouver donc les illustrations. Et en fait, comme ça va être composé, on va, par exemple, la pleine lune des moissons, qui nous parle de choix, de potentiel, d'hésitation, de transition, de seuil, de passage, d'initiation, de décision à prendre soi-même et d'opportunité. Et promenons-nous dans les bois. Regardez les amis, c'est quand même marrant. J'ai ouvert complètement au hasard le grimoire et je tombe sur promenons-nous dans les bois. Écoutez, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc vous voyez comme quoi c'était un signe et c'était destiné à ce que je vienne faire la review ici. Alors donc oui, comme je vous le disais, les arcanes vont être présentées par les petites illustrations qui sont sur les pages. Et donc on va retrouver, comme je viens de vous le dire, la carte qui va être associée soit à un mois, soit ça va être aussi tout ce qui est champignons, les simples. Alors vous savez, les simples, ce sont ces plantes médicinales qu'on va utiliser soit dans la magie dite verte, mais aussi dans la concoction de potions rituelles, etc. etc. Je sais pas comment vous dire ça parce que je suis émerveillé. Le guidebook, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, il va vraiment être comme un herbier, un vrai herbier. C'est-à-dire que c'est pas juste un livre qui va vous montrer les cartes, qui va vous apporter la signification divinatoire, la présentation, etc. Non, ça va vraiment être un herbier. Mais en plus de ça, vous allez avoir ici des pages vides avec donc écrit notes dans lesquelles vous allez pouvoir vraiment écrire vos notes. C'est-à-dire que lorsque vous allez ramasser un champignon, imaginons que vous vouliez prendre toutes les simples ou partir à la découverte des champignons qu'il y a dans cet oracle, eh bien vous allez pouvoir le faire. Vous prenez votre petit livre. Et puis vous allez partir à la découverte de ces champignons et vous allez pouvoir aussi les ramasser. Alors attention, pour ceux qui ne connaissent pas les champignons, avant de les consommer, allez dans une pharmacie, demander à un pharmacien des conseils ou demander à quelqu'un qui s'y connaît. Ne mangez pas tous les champignons, ils ne sont pas tous bons. Si je prends par exemple les amanites, l'amanite tumouche la plus connue, vous savez, celle qui est représentée d'ailleurs sur le coffret. L'amanite tue mouche, elle ne tue pas que les mouches, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a aussi des amanites qui sont comestibles. Vous prenez l'amanite des Césars, c'est une amanite qui est comestible. Donc voilà, quand on ne sait pas trop, évitez de vous amuser à manger tout et n'importe quoi, surtout avec les champignons, d'accord? Donc si vous voulez comme ça partir à la découverte de ces champignons, vous prenez votre petit guidebook, vous allez pouvoir écrire sur vos notes en disant tel champignon. À la rigueur, vous faites une petite photo, vous développez la photo, vous la collez dans le petit guidebook et puis vous allez décrire, attention, champignon comestible, etc. Vous écrivez une petite recette, vous pouvez marquer aussi ses propriétés, ses vertus, ses effets, etc. Ce qui vous permettra de vraiment pouvoir vous approprier le jeu complètement. Parce que le jeu, vous allez pouvoir l'utiliser à terme divinatoire et guidance, mais vous allez pouvoir l'utiliser dans votre pratique magique aussi, puisque vous allez pouvoir utiliser les cartes pour, par exemple, agrémenter votre hôtel, pour représenter quelque chose. Si par exemple vous vivez en pleine ville, je me doute bien que vous ne pouvez pas partir facilement à la chasse aux champignons. Donc du coup, cet oracle peut venir agrémenter vos hôtels.
Et à côté, vous avez votre petit grimoire que vous aurez complété et sur lequel, et bien déjà, lorsque vous connaîtrez tous les champignons, tous les simples et toutes les lunes, tous les esbats qu'il y a là, bah vous aurez une jolie petite base de travail déjà pour pratiquer la magie, hein, honnêtement. Et maintenant, on va découvrir tout simplement l'oracle. Alors, l'oracle se présente dans sa petite boîte cloche avec son petit ruban traditionnel de chez Arcana et qu'on adore toujours autant parce que c'est tellement pratique d'avoir ce petit ruban pour sortir les cartes. On a donc cette petite boîte cloche qui est magnifique. Regardez, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur qui est vraiment superbe, qui est illustré donc par Antoinette. Regardez un petit peu l'intérieur. Qui est vraiment magnifique. Regardez l'extérieur de la boîte qui est superbe aussi. On est vraiment dans l'univers de la magie, dans l'univers de la forêt. C'est un pur bonheur. Cet oracle, je trouve qu'il sort mais à un moment crucial. C'est-à-dire qu'on est confiné, on n'a plus accès à rien et là c'est une bouffée d'oxygène que cet oracle, vraiment. Donc maintenant, eh bien, je vous propose de découvrir cet oracle carte par carte. Thank you.
Allez, maintenant, je vous propose, de tirer deux petites cartes issues de ce magnifique et magique oracle. Après, cette petite balade qui, j'espère, vous aura vraiment enchanté dans cette forêt qui est elle-même envoûtante. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot et je pense que vous serez d'accord avec moi. Et encore là, je ne vous ai montré que vraiment une infime partie, une petite mise en bouche de cette forêt. Parce que vraiment, c'est un lieu qui est extraordinaire et l'énergie est juste incroyable. Allez, je vous propose maintenant donc de tirer nos deux cartes. Et pour la première carte, nous avons la menthe qui nous parle d'équilibre. Regardez, je vais vous approcher la carte de plus près. La menthe qui nous parle d'équilibre, et oui, effectivement, en ce moment, il nous faut de l'équilibre. Nous avons besoin de cet équilibre, surtout après tout ce qu'on endure depuis plus d'un an avec les confinements, déconfinements. On ne sait plus à quel sein se vouer, on ne sait plus quoi faire, on est complètement déséquilibré et complètement perdu. Et par conséquent, la menthe peut vous apporter cet équilibre. Et j'ai envie de vous dire aussi par conseil que la menthe, vous pouvez également la consommer, que ce soit dans vos plats, dans vos desserts, mais également faire des infusions à base de menthe ou du thé à la menthe. Effectivement, la menthe nous apporte une certaine fraîcheur et c'est cette fraîcheur qui va aussi permettre de pouvoir se rééquilibrer à tout, se rééquilibrer à la vie, permettre à ce qu'on puisse également se réancrer à la terre. La menthe, en plus, c'est une plante qui est particulièrement vivace et qui se développe très facilement. Et comme elle, je vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire à vous déployer, à profiter de ce qu'il y a autour de vous, à lancer vos racines un petit peu partout pour permettre à ce que votre rhizome puisse se faire, donc le rhizome ce sont les racines, et que votre menthe puisse grandir, donc exactement comme elle, soyez dans cette croissance, dans cette expansion et dans cet équilibre. Et pour la seconde carte, nous avons le thym qui nous parle de force. Effectivement, la force et l'équilibre, ce sont, deux choses dont on a besoin. Puisque si vous voulez retrouver cet équilibre, il vous faudra également de la force. Mais c'est grâce à l'équilibre que vous allez retrouver votre force. C'est-à-dire que ces deux sont étroitement liés. Il y a une relation de cause à effet entre force et équilibre. Vous avez besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir à ce que les deux fonctionnent ensemble. Et effectivement, le fait de retrouver votre équilibre, si en ce moment vous vous sentez vraiment désancré, vous vous sentez perdu, vous ne savez plus où vous allez et ce n'est pas juste qu'une impression, ça peut être aussi physique. Je vous invite à retrouver cet équilibre et naturellement la force aussi reviendra pour vous motiver à reprendre vos projets, à reprendre par exemple, le sport, un régime, votre passion, vos habitudes, avoir envie de ressortir, de retrouver le goût à la vie tout simplement. Et puiser également dans la force qu'il vous reste parce qu'on a toujours de la force. Ça peut être nos amis, notre famille, nos animaux, on a toujours quelque chose dans quoi on peut puiser notre force. Puiser dans celle-ci pour pouvoir développer aussi votre équilibre et retrouver cette forme d'équilibre. Voilà donc mes chers amis pour cette review de l'oracle de la magie forestière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour mettre un maximum de pouces bleus, pour vous abonner à la chaîne, pour également partager cette vidéo puisque vous le savez, ça aide beaucoup la chaîne et son référencement également. Moi en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos en pleine nature, c'est promis également. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous.